Bonjour, je suis heureuse de vous faire cet audio aujourd'hui et tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année et en profiter pour vous rappeler de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Aussi, j'avais une petite idée à vous suggérer, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces dernières 2 journées avant la fin de l'année pour pouvoir faire une différence. Ça ne doit rien être de super grand, mais une petite chose pour prendre soin de vous. Je suis sûre que sur les prochaines heures, vous pouvez arriver à prendre du temps pour vous. Je ne vous dis pas de prendre 3 heures, si vous avez 3 heures, tant mieux, mais même ne fût-ce que prendre 10 minutes pour faire quelque chose que vous aimez et que vous ne prenez pas le temps d'habitude de le faire. Les journées passent tellement vite, nous sommes tellement occupés qu'il est facile de faire passer tout le reste avant nous. Donc, en cette fin d'année, que pouvez-vous faire pour prendre soin de vous avant de démarrer 2022? J'aimerais également vous rappeler, pour ce qui est de la nutrition, que si tout n'a pas été aussi bien que vous auriez voulu pendant ces fêtes de fin d'année, de ne pas vous en vouloir. Vous êtes humain et puis c'est tout. On ne se met pas la pression. Maintenant, il est toujours temps de vous reprendre. Vous n'êtes pas en mode régime. Donc vous pouvez décider dès le moment où vous m'entendez là, tout simplement de faire de meilleurs choix. N'oubliez pas que le but, c'est de s'améliorer. À chaque fois qu'on est face à une situation, de faire un petit peu mieux que la dernière fois. Et c'est ainsi qu'en force de répéter en fait cela, vous allez trouver votre rythme et atteindre vos objectifs. Ce n'est pas tout ou rien. Vraiment pensez à cela. C'est en termes de progression, de s'améliorer petit à petit. En plus, cela vous mettra beaucoup moins de stress que de tout vouloir changer du jour au lendemain. Et vous restez dans cette optique de faire encore mieux. Donc, comment est-ce que vous pourriez gérer, par exemple, le réveillon du nouvel an? Comment est-ce que vous pouvez vous faire plaisir tout en restant dans des quantités raisonnables? N'oubliez pas aussi que vous pouvez faire la balance entre aujourd'hui et demain pendant la journée par rapport au repas qui serait plus calorique. Vous pouvez aussi faire un petit peu plus léger les jours qui suivent, tout simplement pour mettre votre corps au repos et lui laisser l'opportunité d'aller puiser dans les réserves qu'il aurait eu entre au dîner du réveillon, par exemple. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, ce n'est pas du tout ou rien. Il n'y a pas de foutu pour foutu. À chaque instant de votre vie, vous pouvez prendre une décision pour prendre soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore d'excellentes fêtes de fin d'année en n'oubliant pas de prendre soin de vous pour démarrer 2022 en étant fier de vous. À très bientôt!